11h, culture média. Philippe Vandel. Bonjour Jean-François Bronstein. Bonjour. Vous êtes professeur émérite de philosophie contemporaine à l'Université Paris 1, spécialiste d'épistémologie, histoire des sciences, et vous êtes l'auteur de ce livre, La religion woke, qui vient de paraître aux éditions Grasset. Pourquoi ça nous intéresse Parce que le woke euh, est en train de gagner peu à peu l'univers des médias. Pour commencer une définition, euh, qu'est-ce que le woke On dit également le wokisme, c'est un mot qui vient du vocabulaire américain. Oui, c'est un mot qui vient du vocabulaire euh, noir américain. Ça veut dire éveiller »,« éveiller à la conscience, à la justice sociale. Wake up, Wake up voilà. So stay woke, hein, c'est le, le slogan de Black Lives Matter. Euh, c'est devenu un mot d'ordre de ce courant et qui permet de désigner ces nouvelles idées qui submergent effectivement la France. Que ce soit la théorie du genre, l'idée que le corps n'existe pas et que ce qui est essentiel, c'est le genre, ou que ce soit la théorie critique de la race, c'est-à-dire l'idée que si on veut être antiraciste, il faut parler tout le temps de race, il ne faut voir que la race partout. Ce sont des idées qui semblent assez folles, qui viennent des universités. Et des universités américaines. Américaines, mais qui sont répandues maintenant très largement dans les universités françaises aussi, notamment en lettres et sciences humaines. Euh, si j'appelle ça une religion, c'est que les, les amateurs de ces doctrines sont complètement enthousiastes, ce sont des prosélytes enthousiastes, ils sont extrêmement sectaires, ils n'acceptent pas le débat, ils ne veulent pas discuter avec qui que ce soit et effectivement, ils essaient d'imposer cette doctrine qui a d'autres aspects qui sont moins connus mais qui sont beaucoup plus graves d'une certaine manière, c'est-à-dire une théorie de la connaissance, une théorie de la vérité, ils pensent qu'il n'y a pas de vérité possible, il n'y a pas de science possible, la science occidentale doit tombée, comme disent certains d'entre eux, parce qu'elle aurait participé à l'esclavagisme, au colonialisme, au racisme, au virilisme. Et on voit des professeurs de mathématiques euh, dire aux États-Unis se plaindre de ce qu'ils sont empêchés de travailler parce que les mathématiques seraient racistes et virilistes. Les mathématiques, c'est la science la plus pure, la plus désintéressée, la plus abstraite qui soit. Et on leur interdit de pratiquer des mathématiques comme on le faisait auparavant. Pour avoir un peu suivi ce dossier, le reproche qui est fait aux mathématiques, c'était une science d'homme, une science d'homme blanc. Voilà, c'est une science d'homme blanc. Alors ce qui est très étonnant, c'est que. Mais un... par quoi les remplacer Parce que ah si ben... on considère que les lois physiques. Par les savoirs fausses... autochtones, ce qu'on appelle les savoirs autochtones. C'est-à-dire, les... par exemple, en Nouvelle-Zélande, on pr propose de remplacer la science ou de mettre sur le même plan la science occidentale et les récits mythiques des Maoris, qui sont des récits superbes, mais qui ne sont pas des récits scientifiques. Là, on parle de littérature, mais puisqu'on parle de science, rebondit sur ce que vous venez de dire, par quoi remplace le portable Parce que sans, sans mathématiques, sans physique, le portable ne fonctionne pas. Le GPS fonctionne avec les équations d'Einstein, oui. qui était un homme blanc. Donc il y a plus de GPS. Ah. Par quoi je ne le reproche pas, je ne fais pas de l'ironie. Oui. Par quoi le remplace-t-il bah, Par le sentiment, par, on, on communiquera par le sentiment, par la télépathie ou autre. Si on lit les livres de Sandrine Rousseau, par exemple, il y a l'idée que le sentiment, c'est beaucoup mieux que la raison. Et effectivement, le problème, ou, ou autre exemple de Sandrine Rousseau, elle dit, je préfère les sorcières qui jettent des sorts plutôt que les gens qui construisent des, des EPR. Donc, effectivement, elle dit, bon, bah, tant pis pour les EPR, on va s'occuper avec les sorcières. Ça a l'air complètement délirant, mais c'est ce que dit quelqu'un qui met de conférence d'économie. Donc, c'est très euh, évidemment, ça va pas aller très On peut mmh. se dire ça ne oui. va pas aller très loin. Mais c'est pas une religion comme les mormons. Je, je reste sur mon parallèle. Les mormons qui ne veulent pas euh, de moteur à explosion continuent <laughs> à rouler avec des charrettes à bras mmh. ou alors tirés par des oui, chevaux. C'est une religion plus, plus cohérente que les mormons. Les... les profs de fac euh, mmh. wokistes, euh, que vous appelez les, les turiféraires de cette religion, mmh. ils n'ont pas posé leur portable, ils n'ont pas posé leur photocopieuse. C'est le principal, euh, la principale objection qu'on peut leur faire, effectivement. Mais ils n'hésitent pas, effectivement, à. Euh, Attaquer directement la science et la technique occidentale, euh, et ils pensent que les sorcières vont servir à maintenir cette science, cette, euh, cet Occident. Euh, c'est une catastrophe que dénoncent en particulier aujourd'hui les professeurs de, de science. C'est-à-dire que si ce n'était qu'une histoire pour euh, littéraire ou autre, on se dirait, bon, bah, c'est une lubie parmi d'autres, il y en a eu beaucoup. Mais là, c'est une attaque directe, et bon, je ne vais pas insister sur cette épistémologie qui est un peu compliquée, mais ils veulent démontrer que la science doit s'arrêter. Donc la science et la technique occidentale sont à doivent disparaître. Oublions la science, en quoi considérez-vous que le wok est une religion C'est une religion parce que ça a un côté sectaire, c'est-à-dire que tout le monde est embrigadé dans, cette, dans, cette, dans ce groupe et ils n'acceptent pas du tout de négocier, de, de, de discuter avec leurs adversaires. Il y a toute une série aussi de, de, de rites, notamment aux, dans les origines américaines, des des genuflexions, des lavements de pieds, des noirs, etc. À la suite de la mort de George Floyd, il y a eu toute une série de, de manifestations qui font beaucoup penser aux les auteurs américains. Ça, les, ça leur rappelle beaucoup ce qu'on appelait les grands réveils protestants au XVIIIe et au XIXe siècle, où on essaie de se faire pardonner le mal. Et il y a vraiment l'idée chez eux, comme chez les puritains américains, que l'humanité est largement pécheresse. L'humanité doit se repentir de ses péchés. Euh, le principal de ces péchés, l'équivalent du péché originel, c'est ce qu'ils appellent le privilège blanc. Privilège blanc, c'est le fait d'être blanc qui nous donne des droits supplémentaires et euh, ils veulent que l'on se repente de ce privilège blanc. Mais à la différence d'une religion comme le christianisme, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut, on peut juste être moins blanc. Donc c'est une religion très négative et on le voit chez tous ces auteurs qui sont des auteurs extrêmement... Pessimiste finalement, il n'y a pas du tout de monde radieux et c'est pour ça qu'il n'y a pas de vision de l'avenir, il n'y a pas de vision de la science qui déve se développe, euh, d'une connaissance accrue. C'est il faut se repentir d'être blanc et aussi d'être un homme. Il y a aussi ce qu'ils qu appellent la masculinité toxique. Le fait d'être un homme, c'est quelque chose qu'il faut défaire. Voir encore Sandrine Rousseau, déconstruire, un homme déconstruit. Il faut des hommes déconstruits. Euh, bon, le problème, c'est que l'humanité ne fonctionne pas de cette manière. On est ici dans Culture Média, notre sujet, c'est les médias. Comment le wok a-t-il fait justement son apparition dans les médias On en parle avec Jean-François bronstein Culture Média continue. Jean-François vous écoutiez attentivement ces télescopages, un commentaire Écoutez-moi, ce qui me gêne, c'est le mélange de, de la vie privée et de la vie publique et le, le fait que la vie privée devienne obligatoirement publique, ça ne va pas. Mais évidemment, les violences conjugales que vous, sont une que vous, vous savez ce que disaient les, les, les féministes dans les années 70 Oui, tout est, tout est politique. Tout est politique. Elle disait tout est politique. Que la, 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 la vie privée est politique. La vie privée. C'est ce que disent aussi les dictatures. Et c'est pour ça que moi, je vois que je, les WO, par exemple, ne font aucune distinction entre vie privée et vie publique. Euh, moi, il me semble que c'est la, 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 la garantie de la préservation de la démocratie. Il y a une justice. Pour faire la justice, bon, les journalistes font leurs enquêtes. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas intéressantes, mais mélanger l'enquête journalistique et l'enquête judiciaire, je trouve que c'est Très inquiétant parce qu'effectivement, c'est la pas, loi de la vie privée de n'importe qui, là quand même. C'est pas la vie privée de n'importe qui, hein c'est la vie privée de, qui, vie privée de oui, personnage mais public. Je pense que la vie privée, moi personnellement, je pense que c'est une base de la démocratie. Justement, puisque vous parlez de démocratie, euh, woke », c'est un mot qui s'est imposé lors de la campagne présidentielle de 2022. Les médias sont engouffrés dans la brèche en demandant à tous les candidats ce qu'ils pensaient du woke ». Anne Hidalgo avait déclaré je ne ferai pas campagne sur le wokisme. Jean-Michel Blanquer avait dit que le wokisme s'appelle la démocratie. Est-ce qu'il y a dans le personnel politique... Euh, des porte paroles du wokisme Il n'y a pas de porte-parole officielle puisque ce sont... Est-ce euh, que certains oui. s'en revendiquent bah, Par exemple, Sandrine Rousseau ne, ne se gêne pas pour affirmer les, des thèses woke, mais personne ne prend le, le terme parce que ça a conduit à tellement de dérives et de choses vraiment invraisemblables que c'est difficile à assumer. Le point de départ, c'était revendiqué par un mouvement qui avait tout à fait sa justification, Black Lives Matter, mmh. mais ensuite, woke, ça veut dire... Enlever les statuts, ça veut dire penser que le genre est au choix, que, le, que le, seuls existent les consciences, que les corps doivent suivre la conscience. Ça veut dire que si vous voulez être antiraciste, il ne faut pas arrêter de considérer la race de celui avec qui vous parlez. Ce sont des choses quand même très violentes. Et de ce point de vue-là, je dirais qu'on efface cette notion de wokisme parce qu'on voit bien jusqu'où ça peut conduire aux États-Unis. On voit la catastrophe que cela induit. Donc, Et dans les médias bah dans les médias, euh, si vous voulez, le, ce qui est gênant dans cette histoire de, de wokisme, c'est que c'est né dans les universités. Or, comme a dit un journaliste américain, Andrew Sullivan, nous vivons tous sur les campus maintenant. C'est-à-dire que les médias, euh, l'édition, les, les grandes entreprises, ce sont des gens qui sont sortis des universités, qui ont été formés à cette pensée woke et qui veulent l'appliquer largement. Euh, c'est aussi, alors, dans un autre domaine que les médias. Non, mais est-ce que vous, avez, oui qu est une émission média, est-ce que vous avez l'impression que certains médias se sont convertis à ce que vous appelez la religion woke bien Par sûr. exemple, bah, exemple de chose qui vous ont fait bondir que vous avez entendu à la télévision euh, À la télévision, je ne sais pas, mais dans la presse, effectivement, Libération reprend euh, tout cela. Euh, le, les, le, le, la lutte perpétuelle, pour... une chose est, parce qu'on doit oui, être attentif un, un sur un les exemple mots. précis. une chose est de reprendre et une chose est de reprendre en adhérant. Euh, je pense qu'effectivement, euh, bonne partie des médias, euh, Le Monde, Libération, etc., euh, sont d'accord avec cette idée que la question du genre est la question essentielle euh, du temps présent. Et euh, ils reprennent l'idée notamment de, de base de cette théorie du genre, que la biologie, c'est n'est pas essentiel. La biologie est patriarcale et viriliste. Là, je pourrais vous citer des passages dans toutes sortes de, de journaux, télé, etc. Euh, euh, je suis désolé. À ma connaissance, oui. Ni Libération, ni Le Monde n'ont supprimé leur page science. Certes, certes, mais ils ont développé leur page genre. En tout cas, il y a beaucoup de choses sur cette question du genre euh, qui est acceptée d'une manière tout à fait euh, sans discussion. Alors que récemment, un prix Nobel de biologie allemand a rappelé le B.A.B.A., c'est-à-dire dans l'espèce humaine, il y a deux sexes, masculin et féminin, et la reproduction est sexuée. Ce qui ne veut pas dire que les corps ne soient pas pénétré par la culture, mais on ne peut pas faire comme si le corps n'existait pas. Or, c'est quelque chose qui nous est demandé aujourd'hui dans les universités, en particulier. Vous pensez à cette affiche euh, tant commentée du planning familial, voilà. où on voyait, on voyait deux hommes, dont un enceinte. Voilà, ben ça c'est le b, à b du planning familial et de la pensée woke. Et effectivement, ils ne revendiquent pas ça, mais leur, leur lec, ils ont fait un lexique. Par exemple, où ils expliquent que le pénis n'est pas un organe masculin, n'est pas un organe mâle. où ils s'en prennent à la bisexualité parce que ça voudrait dire qu'il y a deux sexes. Bon, c'est quand même très étrange. Et l'homme enceint, c'est l'idée qu'effectivement un homme peut être enceint. Euh, non, ce n'est pas vrai. C'est Effectivement, une femme est enceinte. Elle a pu décider de changer de genre officiellement, mais c'est quand même une femme. Euh, pour l'instant, pour faire un enfant, il faut un utérus. Euh, Alors, on peut se dire que ça va changer, etc. Mais on ne peut pas. Notamment, euh, moi, ce qui me gêne, tout ça, c'est très amusant. Mais le problème, c'est que maintenant, ça arrive dans les écoles. C'est-à-dire qu'on va. Comme on n'arrive pas à expliquer aux adultes euh, compétents, si je puis dire, que euh, le genre n'est pas au choix et que la race, il nous... n'y a pas de race et que vous n'êtes pas coupable parce que vous êtes blanc ou victime parce que vous êtes noir, ces militants woke vont essayer de, aux États-Unis mais aussi en France maintenant, de l'enseigner à des enfants. C'est-à-dire qu'aux enfants de 5 à 6 ans dans les écoles américaines ou écossaises, on leur dit tu choisis ton genre. Ton joueur, genre, c'est toi qui le choisis. C'est quand même très, très délétère. C'est-à-dire que je pense qu'il y a derrière ça une, une attaque, si je puis dire, contre la raison, contre même euh, l'évidence, contre la vérité. Euh, Jean-François Bronstein, vous allez même plus loin. Vous écrivez dans votre livre que les séries de Netflix sont en général d'une parfaite conformité aux critères woke. Bah, il y a notamment une, une série sur un homme enceinte, l'histoire de Monsieur Iyama qui est un homme C'est oui, oui, un, un, un présupposé de, de fiction. Oui, il y a mais, aussi l'homme qui est trop petit, l'homme qui est trop grand. Enfin, c'est toujours arrivé. Le oui. singe qui parle. Enfin, oui, il y a quand arrivé. même beaucoup de beaucoup de choses. Et quand quoi, je veux dire, par là, en quoi est-ce un marqueur d'une idéologie Voilà le sens de ma bah, question. Par exemple, c'est tout à fait tout le monde trouve extraordinaire que euh, des, des humoristes comme Ricky Gervais ou Dave Chappelle. Et pu maintenir sur Netflix leur, 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 leur show, où ils se moquent effectivement de ces questions de trans, etc., très gentiment et d'une manière très, très drôle, euh, ça a failli être supprimé. Alors vous allez me dire, ça n'a pas été supprimé, mais il y a eu tout un mouvement pour les faire supprimer. On voit aussi que Rowling est persécutée sur les réseaux sociaux. JK Rowling, l'auteur euh, de oui. Harry Potter, est persécutée parce qu'elle a dit que, effectivement, pour désigner les gens qui ont leurs règles, il vaut mieux dire les femmes, parce que ce sont plutôt les femmes qui ont leurs règles. Elle a été persécutée de manière incroyable parce qu'elle a dit ça euh, et donc euh... puisque vous en parlez ouais. vous tendez la perche à la question suivante en quelle dans quelle mesure les réseaux sociaux ont participé au développement de cette idéologie de cette religion woke je pense que les réseaux sociaux ont un rôle tout à fait essentiel dans la diffusion de cette idéologie et je dirais même que sur certains points ça colle c'est-à-dire que c'est même c'est dans la même direction c'est-à-dire que sur les réseaux sociaux effectivement vous pouvez changer de genre par un simple clic vous dites je suis homme je suis femme vous vivez dans un monde virtuel et cette idée, notamment de virtualisation du corps, le corps n'existe pas, n'existe que des consciences, ben c'est tout ce qu'on appelle le métaverse. C'est-à-dire qu'on va là-dedans. Et je pense que moi, ce qui m'inquiète, ce serait juste un délire d'universitaire, c'est irait, mais c'est un délire d'universitaire qui colle avec. La tendance lourde des, des, de, des GAFAM, etc., vers une virtualisation du monde, le métaverse, etc. C'est-à-dire que, Quel par exemple. Pendant... C'est très intéressant, on a beaucoup parlé du métaverse ici qui ouais. arrive, c'est en gros pour schématiser l'Internet 3.0. Mm -hmm. Quel rapport entre le métaverse et le woke bah, Dans le métaverse, vous changez de genre par un simple clic. Les woke pensent que vous pouvez, dans la réalité, changer de genre sur un simple, une simple décision. Mais le problème, c'est qu'il y a quand même des corps, et il y a des gamins, justement, des adolescents qui se disent. Ah ben bah, puisque je peux changer de genre comme ça sur un simple clic, pourquoi je ne changerais pas de corps Alors qu'effectivement, le problème c'est que les corps existent et que les... La conscience ne suffit pas à fabriquer des corps. Il y a une espèce de, de mépris du corps qu'on retrouve, et c'est pour ça aussi que je parle de religion, dans certaines hérésies gnostiques, en particulier les hérésies chrétiennes, il y a l'idée que le corps c'est le mal et qu'il faut s'en débarrasser. Pour les théoriciens du genre, le corps c'est le mal et euh, il faut s'en débarrasser, ou on en fait ce qu'on veut, je pense. Euh, vous écrivez que les militants woke croient sincèrement qu'en corrigeant la langue, ils vont pouvoir transformer la réalité euh... Bah, par exemple, ne plus employer le terme de femme pour désigner les personnes qui ont leurs règles, euh, ne plus parler effectivement euh, de, euh, de lesbienne, parce que lesbienne c'est gênant, etc. Et donc il y a vraiment une critique. Euh, par, les, on ça, fait longtemps, plus... -moi, ça fait longtemps qu'on n'a plus le droit de dire les vieux, qu'il faut dire les seniors. Oui, oui, on n'a oui, oui. même plus le droit de dire ici en province, il faut dire en région. Oui. Même la province oui. est devenue en gros mot. Oui. Euh... Bah, là maintenant on ne peut plus dire les femmes dans le, dans le, dans le, le langage woke. Par exemple, la, la, une nouvelle juge de la Cour suprême américaine à qui on demandait de dire ce que c'est qu'une femme. Elle a dit ben, « je ne peux pas vous dire, je ne suis pas biologiste ben, ». Quand même, une femme, on sait à peu près ce que c'est. Mais pour les woke, si vous pensez qu'une femme, c'est quelqu'un qui a des règles et qui peut être enceinte, c'est discriminant. Et je vous annonce un livre qui risque dont la sortie risque peut-être de vous irriter. C'est Binge Edition qui publie ça. Ça s'appelle Bienvenue au Walkiston. Ça sort le, le, le mois, dans trois semaines, je crois, euh, mi-octobre, avec une préface d'Alice Coffin. Merci d'avoir été avec nous, Jean-François Bronstein. Je rappelle, la religion Walk, c'est disponible maintenant tout de suite chez Grasset. Merci d'avoir été en direct dans Culture Média. Et merci à Bruno Donnet d'avoir participé à cet entretien. <laughs> je vous retrouve demain, Bruno. Culture Média continue après les infos de 10h. Sons avec Michel Bernier pour la pièce écrite par Laurent Ruquier. Je préfère qu'on reste ensemble. Bah, tiens, ça c'est inclusif. Et puis dans les indispensables, une BD pour mieux comprendre les ados avec Sébastien Bordenave. Et puis un film qui a réussi à faire pleurer Olivier Benquemoun grâce à Lynn Renault. Il va nous dire tout ça. Il arrive avec ses Kleenex. Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage aussi. Il ne faut pas l'oublier. tout de suite. Culture Média sur Europe 1.